chante Jésus. Jésus, tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. Aujourd'hui, en paix des dépassés, mais demain, ils vont regretter arriver qu'il ne peut pas mourir. Parce que Dieu a des plans merveilleux pour toi. La vie, acquérions-nous. Ne fais pas comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Tu n'es pas comme eux. Qui n'est pas comme eux. Mais tu y es toi. Dieu t'a créé toi. On peut être les jumeaux, mais nous ne sommes pas les mêmes. On peut se ressembler, mais nous ne sommes pas les mêmes. On peut avoir les mêmes noms, mais nous ne sommes pas les mêmes. Chacun de nous, Dieu a déjà planifié quelque chose. Dieu a déjà tracé une destinée à suivre. Dieu a déjà tracé une destinée à suivre. Qui n'est pas comme eux, mais qui est toi. Parole qui libère, acquérions-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquérions-nous. Acclamez le roi des rois. J'ai dit bien, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le ressuscité du troisième jour, l'agneau immolé, l'alpha oméga, le commencement et la fin de toutes choses? Est-ce qu'on peut faire des youyous pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut faire des youyous? Non, non, je n'attends pas. Est-ce qu'on peut faire des youyous pour le roi des rois? Mais bon, chandéria, baba, yassike. Réparia soke, la rema soria, reblita libria sodegens, ma sokerias, ma sia. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Éternel Dieu des armées, car tu es bon. Amen. Amen. L'Éternel est bon ce matin. L'Éternel est bon ce matin. Non, je peux dire, il est vivant ce matin. Je peux dire, il peut encore ce matin. Oh, il n'est pas limité. Il est sans rival. Il est sans égal. Il n'est pas comme un homme. Mais il est le grand Dieu qui n'a jamais existé. Il n'est comme lui sur la terre, sous la terre, au ciel. Il n'y a que lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à son nom tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Que ta maladie fléchit devant le nom de Jésus. Que tes difficultés fléchissent devant le nom de Jésus. Que ton problème fléchit devant le nom de Jésus. Non, non, est-ce qu'on peut encore continuer à la croix? Makaya Zitaya, Rebo Chaneria Vasika. Repaille les vaïté, la réma soqueria. Quoi d'autre que toi? Tu es le seul Dieu qui mérite l'adoration. Amen, amen. Amen. Ce matin, Asubuya Léo, j'ai la joie Nikona Foura
J'ai la joie ce matin. Amen. Amen. J'ai la joie ce matin. Nikonafura asubu ya leo. Parce que l'Éternel nous a aimés. Dieu wa milele alitupenda. Il nous a aimés. Alitupenda. Il nous a donné tout ce que nous sommes ce matin. Alitupatia yote tuko leo. C'est son plan ce matin. Inakuya ni matayarisho yake asubu ya leo. Amen. Hein? Amina. Je remercie le bon Dieu. Mina shukuru Mungu mwema. Pour cette grâce. Kwa ajili ya hii neema. Et je remercie encore. Na mina shukuru tena. Papa pasteur. Baba mchungaji. Même s'il n'est pas là. Ingawa anapo. Il y a mama pasteur. Mungu mama pasteur iko pale. De nous avoir encore choisi ce matin. Alitukula asubuhi ya leo. Que Dieu vous bénisse mama. Mungu abariki sana mama. Et que Dieu bénisse tous les serviteurs. Na Mungu abariki watumishi wote. Particulièrement les anciens. Na kwa upeke baze. Et particulièrement Papa Chijika. Na kwa upeke Papa Chijika. Amen. Hein? Parce que c'est notre père. Ni baba. Il est là. Eko pale. En train d'accepter qu'un enfant puisse prêcher. Dieu a dit que mutoto aubiri. Mais c'est notre père. Lakini ni baba. Qui est en train de nous prodiguer des conseils. Anatupatiaga mashauri. Que Dieu vous bénisse papa. Mungu amibariki baba. Amen. Hein? Amina. Et que Dieu te bénisse toi aussi. Na Mungu akubariki na wewe. Toi qui es là. Wewe uko hapa asubuhi ya leo. Parce que ce matin. Tu asubuhi ya leo. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Kuna habari njema juu yako. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Kuna habari njema. Est-ce qu'on peut faire comme ça? J'ai kuna une bonne nouvelle. Kupepea, kuna habari njema. Alléluia. Amina. Et depuis le mardi, kwanzia siku ya pili, on nous avait prêché. Bali tufundisha. J'ai dit on nous avait encore prêché. Na siku ya ine bali tufundisha malengine. Nous avons prié. Tuliomba. Et ce matin, na asubuhi ya leo, j'ai une bonne nouvelle. Qui nous dit yasema, les thèmes de ce matin nous dit China ya subi ya leo nasema hivi, Dieu est bon. Mungu ni mwema. Amen. Amina. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Non, non. C'est un bon thème. Est-ce que China Dieu est bon? Mi nasema Mungu ni mwema. On ne comprend pas. Adu Dieu est bon. Mungu ni mwema. C'est ça le thème de ce matin. Jo China ya subi ya leo. La bonté de l'Éternel. Mwema wa milele. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Dans tout moment il est bon. Mwakati yote yuko mwema. Dans tout temps il est bon. Kila nyakati yuko mwema. Malgré ça ne va pas il est bon. Ingawa biendeke yuko mwema. Malgré tu peux même arriver au point de mourir il est bon. Ingawa utafika wakati kwa siku kufa yuko mwema. Amen. Amina. Dieu est bon. Mungu ni mwema. J'aime la chanson de la chorale à Safa. Mimi napenda sana mwimbo ya kwaya ya Safa. Je ne sais pas ce dimanche si sijua hii juma. La chorale Asaf est en train de chanter mes prédications. Et chorale Asaf ikuna imba mahubiri yangu. Amen. Hein? Amina. Ce dimanche là, il est chuma iliyopita. Elle avait chanté. Arimbaka tena. Les thèmes de ce jour là. Il est china ya ile. Et aujourd'hui encore. Na leo tena. Elle a chanté les thèmes d'aujourd'hui. Ana imba mpaka china ya leo. Que Dieu vous bénisse mama. Mungu amibariki mama. Qu'il vous bénisse encore et encore. Amibariki tena mara ingine. Amen. Amina. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Kumu kitabu cha Roma sura yake 8. Verset 28. Dari wa 28 à 39. Na 30 na 10. Soma Romains chapitre 8, on peut se tenir debout s'il vous plaît. Verset 28 à 39. La Bible nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est droit de Dieu et il intercède pour nous.
qui nous a séparés de l'amour, qui nous a séparés de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur pour la lecture. Amen. Hein? Amina. Notre thème de ce matin nous dit Dieu est bon. Si tu as subi aller, tu es chez Mungu ni mwema. Et ce matin, na asubuhi ya leo, Dieu m'a mis à cœur. Mungu alinyika kumoyo de venir montrer la bonté de l'Éternel à quelqu'un ce matin. Nioneshe wema wa Mungu kwa mtu asubuhi ya leo. Laisse-moi te dire ce matin. Acha nikuoneshe asubuhi ya leo. Que Dieu est bon. Ya kwamba Mungu ni mwema. Et tout ce qu'il fait c'est vraiment bon. Na byote anakana tenda maisha mtu ipigana ba vizuri. Ses plans sont toujours bons. Amen. Amina. Et notre thème de ce matin, je vais insister sur le verset 28. Namita endelea sartika mukazo pa mustari ile ya 28. Et je vais chiter avec le reste. Namita maliza na hii ingine. Le verset 28 nous dit ceci. Na mustari ya 28 nasema hivi. Que nous savons du reste. Na tunachukua wengine. Que toutes choses. Na bitu byote. Concours Birakalaka au bien de ceux qui aiment Dieu. Bizuri kwa bale banampendaka Mungu. Toutes choses. Kila kitu. Sauf rien. Akuna ta kitu kimoya. Toutes choses. Bitu byote. Concours Birakalaka au bien de ceux qui aiment Dieu. Bizuri kubale banampendaka Mungu. Toutes choses. Bitu byote. Même la maladie. Ingawa magonjwa. Même la mort. Ingawa kifo. Même la famine. Même les manquements, même les blocages, même les limitations, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amina. Peut-être que tu es en train de passer un moment très difficile que tu as déjà même conclu. Que Dieu ne m'aime pas. Ya kwamba Mungu asinipendake. Tu as déjà même conclu. Usha kuweka nukta. Que Dieu ne m'aime pas. Ya kwamba Mungu asinipendake. Laisse-moi te dire ce matin. Acha nikuonesha asubuhi ya leo. Que toutes choses. Ya kwamba vitu vyote. Concours. Inaikalaka. Au bien. Ya vizuri. De ce qui aime Dieu. Kwa bale bana mpenda Mungu. Amen. Amina. Ce n'est pas seulement les sorciers. Aina mpaka baloji. Ce n'est pas seulement les démons. Aina mpaka mandemona. Je peux dire, il n'y a pas même peut-être les moyens de chasser ou bien de briser. Mais toutes choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amina. Dans tous les moments, nous sommes en train de chasser. Nous sommes en train de briser. Mais nous risquerons de briser même l'Esprit de Dieu. Nous risquerons même de chasser la volonté de Dieu. Amen. Amina. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas. Ça te dépasse. Et tout ce que tu planifies pour arriver, ça n'arrive pas. Tout ce que tu espères, ça n'arrive pas. C'est pourquoi tu dis que non, Dieu n'est pas là. Je connais quelqu'un qui avait conclu que Dieu n'existe pas. Mais j'ai dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
Amen. Amina. Toutes choses. Bitu biote. Peut-être qu'on peut même te voler quelque chose. Ça signifie maintenant que tu as oublié qui tu es. Tu peux avoir quelqu'un que tu aimes tant. On a ouais dit qu'on a mutu mieux dépend d'assana. Mais il est mort. La qui en a couffa. Plaire, ce n'est pas interdit. Kulia aikataziwe. Tu peux plaire. On a ouais dit kulia. Mais dans ton cœur. La qui dans le moyen wako. Sache cette parole. Tu vois yoneno. Toutes choses. Bitu biote bisuri. Concours. Bitu galaka. Au bien. Bisuri. De ce qui aime Dieu. Ubale wanampenda Mungu. Toutes choses. Bitu biote. Tu peux être bien. On a aussi quoi mzuri. Tu peux avoir l'argent. On a aussi quoi la franga. Tu peux avoir tout. On a aussi quoi la bitu biote. Mais un jour, ça disparaît seulement comme ça. Lakini shiku moi biote minapotea hivi. Dis comme Job. Sema kama vile Yobu. Mais je ne peux pas dire la parole de Job. Lakini sema ile neno ya Yobu. Je vais dire celle-ci. Lakini mitasema hii. Toutes choses. Bitu biote. Concours. Minikaraka endelea. Oh bien de ce qu'aime Dieu. Bizuri kubale bana mpenda ka Mungu. Parce que lorsque je parle. Jo wakati niko nasema. Je vois quelqu'un. Niko na mtu moya. Qui avait déjà désespéré. Alikuwa sasa kutosha tumaini. Il s'était même découragé. Alikuwa sasa tumaini. L'Éternel me dit. Mungu ananyosha hivi. Que mitera. Mitera. Va prêcher cette parole. Wende kasema que toutes choses concourent à l'avantage de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amina. Je prends mon exemple. Mina beba mfano moi. Je peux donner au moins un petit témoignage de moi. Mina wezi kuleta ushuda moi yenye nyelekea. On me raconte un témoignage de mon enfance. Bana nipatia ushuda ya utoto wangu. Que à l'âge où j'ai commencé vraiment à parler, j'étais tombé malade. Je suis entré dans l'hôpital. Et on m'a mis dans la réanimation. Et cette maladie était juste pour la respiration. Si ça ne bloque pas la respiration, kama ileta ukumuzika, ça bloque la voix. Inigaya na punga sauti. Et j'avais fait au moins 6 mois dans la réanimation. Ilifanyaka miezi sita mwile chumba ya réanimation. Et lorsque j'étais là, na wakati ilikuwa mule, tout le monde était déjà désespéré. Batu bote balitoa tumaini. Ils croyaient déjà la mort. Balikuwa basha kuaminia kukifo. Mais après 6 mois, kisha miezi sita, je suis sorti de l'hôpital. Mina toka m'hospitali. Mais je n'arrivais pas à parler. Lakini shikwanzaka kusema. Mais lorsque je voulais parler. Lakini wakati nilipenda kusema. Je parlais comme quelqu'un qui est en train de sakushituka. Amen. Hein? Amen. Et lorsque je parlais comme ça. Lakati kwa nasema vile. Si je voulais parler petit à petit comme ça, nikianza kusema pole pole, la voix ne sortait pas. Sauti haikuanza natoka. Au moins si je force à parler, au moins nikisema nguvu, et ça va sortir. Na sauti itatoka. Et après cela, kisha ibe, il y avait des multiples maladies. Kwa magonjwa mingi tena. Toujours pour bloquer ma voix. Jutu ya kufunga sauti yangu. Mais lakini lorsque je préparais ce message, Dieu m'a dit ceci. Mungu ananyonesha hivi. Que tu sais pourquoi ta voix. Unajua jua nini sauti yako. Ne pouvait pas être bloquée. Haikupasha kufungiwa. Tu sais pourquoi tu ne pouvais pas mourir. Unajua jua nini kupasha kufwa. Il me dit ceci. Ananyonesha hivi. Que parce que tu seras un prédicateur. Juu utakuya muhubiri. Quelqu'un qui est miwe. Huyu mtu mwenye anakuwa bubu, ne peut pas prêcher. D'ailleurs, peut-être si je ne pouvais pas même entrer dans l'hôpital. C'est ce que le Seigneur me disait. Si je ne pouvais pas entrer dans l'hôpital comme ça, je pouvais commencer à parler comme une voix de prêtre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Amina. C'est comme ça que je pouvais commencer à parler. Je ne pas commencer à pousser. Même toutes les choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu comme ça. Dans la prédication pentecôtiste, ici au pâturage, il faut la voix de celui qui crie dans les déserts. Il faut que je puisse au moins gronder. Il faut que je puisse vibrer. Il faut que la voix
ma sorte. C'est ce que Dieu avait planifié pour que je puisse commencer à prêcher comme en train de coucher tout cas. Mais la voix sorte. Toutes choses concourent au bien de ce qu'elle fait. Amen. Amina. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Oh, Dieu savait que j'avais une mission à accomplir. Et toi aussi, tu ne peux pas mourir. Tu as une mission à accomplir. Comme moi, je ne peux pas mourir. Quand j'ai une prédication à prêcher, j'ai des âmes à gagner. J'ai des âmes à gagner. J'ai une femme à aimer. J'ai des voyages à voyager. Je ne peux pas mourir parce que Dieu a une mission avec moi. Yes. Et toi aussi, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Tu as des petits fils à voir. Tu ne peux pas mourir. Oui, je le répète. Tu ne peux pas mourir. Tu as un mari à toucher. Tu ne peux pas mourir. Tu as quelque part à arriver. Tu ne peux pas mourir. Parce que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Il y a encore une mission que tu n'as pas encore atteint. Il y a encore une mission. Il y a des bébés à avoir. Il y a des enfants où tu dois au moins entrer de se fier. Oui, je le répète, tu ne peux pas mourir malgré cette maladie là. Tu ne peux pas mourir. Pourquoi je dis ceci? Dans la semaine où on avait la Pâque, avant même cette semaine, j'étais au moins souffrant. La semaine de la Pâque là, j'étais tellement KO. Et arrivé le dimanche, j'étais là le soir. Bon, j'étais endormi. Je ne pouvais pas même voir. Même la vie était déjà partie. La vie. Même les oreilles étaient déjà bouchées. Si quelqu'un est en train de parler, je peux entendre une voix comme quelqu'un de loin. Mais lui, il est toujours là. C'était le dimanche. J'étais tellement KO. Je peux dire, j'étais déjà parti. Mais Dieu me dit, petit, tu ne peux pas mourir. Oui, je pouvais déjà dire à Dieu que Père, prends mon âme. Il me dit, tu ne peux pas mourir. Il y a encore une prédication où tu dois prêcher. Il y a de ces gens que j'avais envoyé ces messages-là. Tu ne peux pas mourir. Il y a encore une prédication que tu dois prêcher. Dieu est bon. Dans tous les moments, il est bon. Dans tous les temps, il est bon. Come on. Tout le monde peut se marier. Tout le monde. Peut-être toi, non. Peut-être tu n'arrives pas à avoir même quelqu'un qui te dit. Peut-être toi seul. Laisse-moi te dire. Attends, je vais donner un exemple. Un jour, si kumoja, il y avait les chiens et un éléphant. Na tembo. Tous étaient tombés enceintes le même jour. Après trois mois, les chiens ont enfanté. Imbwa alizala. Mais l'éléphant était toujours comme ça. Lakini tembo alikuwa bado na mimba yake. Après encore trois mois, les chiens ont enfanté. Imbwa tena alizala. Les chiens ont enfanté au moins six fois. Imbwa alizala mara sita. C'est-à-dire après 18 mois. Ni kusema kisha miezi 18. Les chiens sont en train de se moquer de l'éléphant. Imbwa ananza kumuona tembo bure. Et lui dire, est-ce que réellement tu es enceinte? L'éléphant lui dit, oui, je suis enceinte.
Mais ce que je porte dans moi, ce n'est pas un chien. Aïna imbwa. Ce n'est pas vraiment un chien. Aïna imbwa. Mais ce que je porte dans moi, c'est un éléphant. Litembo. Lorsqu'il sera né, tout le monde sera dans l'admiration. Il y aura des youyou, des youyou. Parce que c'est un éléphant qui porte au moins même des milliers de chiens. Juste un éléphant peut concourir, peut au moins prendre des milliers de chiens. Juste ce que je porte à moi. Oui, c'est comme ça avec toi. Tout le monde a déjà eu des choses. Tout le monde sont déjà dans les ministères. Tout le monde sont déjà mariés. Tout le monde sont déjà guéris. Tout le monde a déjà voyagé. Dis-le. Même s'ils te disent que toi tu attends quoi, dis-le que ce que je porte à moi, ce n'est pas ce que toi tu as, mais ce qui est à moi, lorsque ça sera à Paris, je vais faire plus que toi, parce que pour toi c'est vraiment petit. Lorsque moi je vais inventer, c'est un éléphant, ce n'est pas un chien. Yes. Ndio. Yes. Ndio. Yes. Ndio. C'est un éléphant. Nitembo. C'est un éléphant. Nitembo. Toutes choses. Kila kitu. Concourt. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Bisous kubaya na mpenda na Mungu. Peut-être que tu es malade. Tazingina kumugonjwa. Tu qu'un jour. Tu siku moya. Tu puisses témoigner. Utshuhudie. Que lorsque j'étais malade. Wakati nilikuwa mgonjwa. Dieu m'avait guéri. Mungu alinitunza. Toutes choses. Kila kitu. Concourt. Bila tembea. Au bien. Bizuri. De ceux qui aiment Dieu. Kubaya na mpenda Mungu. Masia. Hallelujah. Masia, qui ne comprend pas ça, qui ne comprend pas ça, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Si je prends l'exemple de l'arche de Noé, il pouvait y entrer toujours un couple. De chaque animal. Des personnes aussi. Toujours des couples et un couple. Baka bibi na bwana, bibi na bwana. Amen. Amina. Et lorsqu'ils étaient entrés, wakati balingia, il y avait des lions. Kulikuwa basimba qui partaient très vite. Ils entraient là. Il y avait des éléphants qui partaient très vite. Ils entraient là. Il y avait les lapins qui couraient très vite. Ils entraient là. Il y avait les chats qui couraient très vite. Ils entraient là. Tous les animaux entraient très vite là-bas. Mais ils restaient des animaux. L'animal là, c'est l'escargot et la tortue. La tortue marche petit à petit. Amen. Amina. Et l'escargot aussi petit à petit. Tous étaient déjà là dedans. Mais ces animaux ici marchaient petit à petit. Ils entraient petit à petit. Les gens pouvaient leur dire, qu'est-ce que vous faites ici? Partez très vite. Ils ne pouvaient pas marcher au-delà de leur force. Ils marchaient selon leurs limites. Amen. Amina. Et lorsqu'ils étaient là, la porte ne pouvait pas fermer. Si ces deux animaux ne pouvaient pas entrer là-bas, la porte était ouverte pour juste attendre la tortue et l'escargot. C'est seulement les jours où ces deux animaux ont entré et la porte était fermée. Laisse-moi te dire ce matin que peut-être tu marches comme la tortue. Ta vie marche comme l'escargot.
Les autres marchent très vite. Les autres courent très vite. Mais toi, tu marches comme la tortue. Petit à petit. Non, n'essaie pas de courir. Tu dois te blesser. N'essaye pas de courir. Tu dois te casser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toujours comme la porte ne pouvait pas se fermer. Avant que la docteur et l'escargot entrent. C'est comme ça avec toi ce matin. La porte de ta bénédiction, la porte de ton mariage, la porte de tes enfants, la porte de ton ministère, ta porte à toi ne peut pas se fermer si tu n'es pas dedans là. Ça ne peut pas se fermer si tu n'es pas dedans. Toutes choses concourent au bien de ce qu'il dit. Avait créé la tortue pour qu'elle marche petit à petit. Tu as dit pole pole. Dieu, je le répète, c'est Dieu qui avait créé la tortue pour qu'elle marche petit à petit. C'est Dieu qui t'avait créé pour que tu puisses suivre les pas de ta destinée. Non, je le répète. C'est Dieu qui t'avait créé pour que tu suives les pas de ta destinée. Tu ne peux pas marcher comme les autres, mais tu dois marcher comme toi. Parce que tu n'es pas mais tu es toi. Tu n'es pas mais tu es toi. Dieu t'a créé pour que tu suives les pas de ta destinée. Malgré ça va durer, Dieu ne peut pas fermer la porte si tu n'es pas là-dedans. Malgré tu peux marcher petit à petit, Dieu ne peut pas fermer la porte si tu n'es pas dedans là. Dieu ne peut pas. Non, je le répète. Malgré que ça ne va pas dans ta famille, malgré que ça ne va pas dans ta famille, Dieu ne peut pas fermer la porte si tu n'es pas dedans là. Si tu n'es pas dedans là. Encore, laisse-moi te dire. Quand tous les autres ici entrent là, lorsque le lion était entré là, il y avait peu de gens. Lorsque l'autre est entré, il y avait peu de gens. Tous les animaux, lorsqu'ils sont entrés, c'était comme normal. Mais lorsque la tortue pouvait entrer là, tous les animaux étaient déjà là. C'est-à-dire, ils étaient là à la porte, en train de regarder la tortue. Ils étaient dans l'admiration, en train de regarder comment elle entrait. C'est comme ça avec toi. Lorsque les autres se sont mariés, c'était normal. Lorsque les autres ont entré dans le ministère, c'était normal. Lorsque les autres ont fait ceci, cela, c'était normal. Mais lorsque toi tu dois commencer à entrer là, tout le monde sera déjà là. Ils seront là pour acclamer pour toi. Ils seront là pour te regarder, pour te féliciter, pour te dire que non, 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 tu as mérité ça. Ils seront déjà là. Ils seront déjà là pour t'acclamer. Non, non, tu seras comme une star. Tu seras comme une star. La vraie vedette. La vraie vedette qui sera là. Tout le monde était en train de la regarder. Elle entre petit à petit. Tous les animaux sont là. En train de regretter que notre Dieu a créé. Non, ce matin, malgré que tes amis se sont mariés, lorsque toi tu dois commencer
entrer dans les mariages, tes amis seront là. C'est toi qui seras la vedette du jour. Tout le monde sera là pour t'acclamer, pour te féliciter, pour te dire que Dieu est bon. Tes amis seront là pour te dire que Dieu est bon. C'est lorsque tu étais persévérant. Lorsque tu étais persévérant, Dieu t'a fait arriver là où tu pouvais arriver. Ne fais pas comme les autres. Tu n'es pas comme eux. Mais tu y es toi. Dieu t'a créé toi. On peut être les jumeaux, mais nous ne sommes pas les mêmes. On peut se ressembler, mais nous ne sommes pas les mêmes. On peut avoir les mêmes noms, mais nous ne sommes pas les mêmes. Chacun de nous, tu as déjà planifié quelque chose. Tu as déjà tracé une destinée à suivre. Tu as déjà tracé une destinée à suivre. Tu n'es pas comme eux, mais tu es toi. Amen. Amina. N'essaye pas d'être comme quelqu'un. N'essaye pas. Bon, tantôt, il y a des gens qu'on avait commencé ensemble le ministère. Et ils sont déjà sur ce qui. Ils sont en train de se moquer de moi. Ils se disent, qu'est-ce que toi tu attends? Mais regarde-nous. Nous sommes déjà. Mais je réponds souvent. Et j'ai dit, tu peux avoir le ministère national. Tu peux avoir le ministère provincial. Tu peux avoir le ministère territorial. Bon, ça c'est pour toi. Mais moi, mais que tu es en train de me préparer, je n'ai pas un ministère national. Je n'ai pas un ministère provincial. Je n'ai pas un ministère territorial. Mais c'est un ministère international. Tu peux être dans la nation, mais celui qui est dans l'international, il est plus fort que toi. Tu peux avoir tout maintenant. C'est bien. Tu me dépasses aujourd'hui, Seigneur. Mais demain, tu dois regretter ce que Dieu doit faire de moi. Aujourd'hui, tu peux me dépasser. Mais demain, tu dois regretter. Aujourd'hui, on peut te dépasser. Mais demain, ils vont regretter. Ils vont regretter. Ils vont regretter. Lorsqu'ils te dépassent aujourd'hui, acclame seulement. N'aie pas même la haine en toi. Acclame seulement. Mais demain, c'est bien eux qui vont acclamer. Parce qu'ils seront déjà dans la chute. Toi qui seras déjà élevé. C'est-à-dire, celui qui est le premier aujourd'hui sera le dernier demain. Lorsqu'il est entré aujourd'hui, il n'a pas pris toute ta place. Mais ta place à toi est réservée dans les mains de l'Éternel. Parce que même tout le monde peut entrer. Et toi là, j'ai en train de s'avancer. Ne dis pas que Dieu n'est pas bon pour toi. Mais Dieu est bon pour toi. Toi, acclame seulement l'Éternel. Demain, ils vont regretter. Ils vont regretter toutes choses. Concours au bien de ce qui aime Dieu. Si je prends l'exemple de Joseph, lorsque Joseph était en train de rêver, il voyait les rêves. Dieu lui a montré des choses. Que tu seras, tu dois, Joseph pouvait expliquer à ses frères et à sa famille. Tout le monde était déjà des interprètes de rêves.
Il pouvait directement interpréter et se moquer de lui. Seulement toi, tu peux nous diriger, non. Un jour encore, il a eu encore un autre rêve. Il a encore expliqué. Et ça suscitait la haine. Dans la vie de ses frères. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on t'a prophétisé, ce n'est pas que ça sera vraiment wow. Ça ne sera pas seulement wow. Mais il y a des combats à combattre. Il y a des batailles à gagner. On peut te prophétiser que tu seras riche. Ce n'est pas que tu seras déjà riche. Un jour tu peux souffrir de la famille. Un jour tu peux souffrir du manquement. Un jour tu peux souffrir aussi. Mais ce que Dieu a promis, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Tout ce qu'il fait sont bons. Yote anakana fanya biko bizuri sana. Ce n'est pas Joseph qui avait demandé à Dieu de lui donner ses rêves là. Aina Yusuf aliomba kwa Mungu mpatie ile mandoto. Ce n'est pas Joseph qui avait demandé ça. Aina Yusuf aliomba hiyo. Mais c'est Dieu qui lui avait donné ça. Ni Mungu alimpatia ile. Et ça lui a créé des problèmes et des problèmes. Na ilimuletea mambo na mambo. Laisse-moi te dire. Acha nikoneshe. Tu peux avoir tout ça. Unawezi kuwa na hiyo yote. Ce n'est pas que ça sera directement comme ça. Aina sema binakuwa mara moja hivi. Car souvent nous planifions des plans pour Dieu. Juu mara mingi tunikana na tayarisha juu ya Mungu. Mimi natengeneza kitu fulani. Tunikana na tayarisha kitu fulani. Et j'ai dit à Dieu. Na sema na Mungu. Dieu accomplisse tel que j'ai dit ça. Mungu uitimize mpaka mimi nilifanya hapa. J'ai dit à Dieu. Mimi namwosha Mungu. Oh Dieu, j'ai besoin d'une femme comme ça. Nikuna lazima bibi wa hivi. Comme ça. Yako wa hivi. Je lui planifie que c'est seulement celui-là. Mina mwose Mungu ni paka huyu wa hivi. Lakini kila kitu. Dieu l'a déjà planifié d'avance pour toi. Mungu ashakuitengeneza mbele juu yako. Dieu a déjà planifié d'avance pour toi. Ashakuitengeneza zamani juu yako. Il a déjà créé un chemin pour toi. Ashakuitengeneza barabara mwa juu yako. Tu dois suivre. Ninyo napasha kufuata. Où tu dois suivre. Pasha Joseph était là. Yusuf alikuwa pale. Il lui fallait entrer dans la prison. Il pasha mbele ngie mugereza. Il lui fallait être esclave. Il pasha kuye mbele mkumu. Entrer dans la prison. Ngie mugereza. Mais un jour être un ministre. Il shiku moya kuye ministre. Il te faut être esclave. Il pasha kuye mbele mutumwa. Il te faut être esclave. Il pasha kuye mbele mutumwa. Souffrir de la nudité. Souffrir de la famine pour qu'un jour tu puisses être un ministre. Et l'accomplissement de Dieu, Joseph ne pouvait pas croire selon lui. Malgré que ses frères ont refusé que Joseph domine sur eux. Mais un jour, ils étaient là en train de se prosterner devant Joseph. Joseph qu'il refusait, mais il se prosternait maintes fois. Ce que Dieu a dit, il est bon pour toi pour l'accomplir. Pâturage. Pâturage. Ce que Dieu a dit pour cette église. Il est bon pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais il est Dieu. Tout ce que nous voyons de nous, ce n'est pas tout. Mais au-delà de ce que nous voyons, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. J'aimerais chuter avec la conclusion. Na kuisha kwangu. Je commence par le verset 31. Je saute d'autres versets là. La Bible nous dit. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nani anawezi kuya kinyume na shie? Si Dieu t'a créé,
Quel Satan qui peut s'élever pour bannir ce que tu as fait? Si Dieu a dit sur ta vie, qui peut s'élever pour s'opposer? Oh, Dieu a dit dans sa parole que j'agirai, qui s'y opposera? Quelle personne qui peut s'opposer à ce que Dieu a dit? Qui? Nani? Si Dieu est pour nous, kama Mungu kwa ngambo yetu, qui sera contre nous? Nani atakuwa kinyume na sie? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, yeye ashikukatarisha mtoto wake, mais il lui a sacrifié pour nous, anamutoa kwa ajili yetu. C'est la Bible. Ni Biblia. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, yeye ashikukwepeshe mtoto wake wa kwake, mais il lui a sacrifié pour nous. Lakini alimutoa kwa ajili yetu. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je atashindwa kutupatia vitu vyote pamoja naye. Comment il ne peut pas te donner l'argent que tu recherches en Jésus? Je atashindwa kukupatia franga yenye unatafuta ndani ya Yesu. Comment il ne peut pas te donner la guérison que tu cherches en Jésus? Je anaweza kushindwa kukupatia matuzo unatafuta ndani ya Yesu. C'est une question que qu'on est en train de nous poser. Lui qui n'a pas épargné Jésus, comment il ne peut pas nous donner toutes choses en lui? Le verset 33, okay. Qui acquisera les élus de Dieu? Nani anawezi kwenda kustaki wachakuliwa wa Mungu? C'est Dieu qui justifie. Ni Mungu analetaka uwaki. Batenda mubuloji kanibeno akustaki. Ils peuvent aller dans la sorcellerie pour aller de. Wa milele jo juge unique. C'est l'Éternel qui est le juge unique. Oh, je te dis ton père à toi. Mina se baba yako weye. C'est bien lui le juge suprême. Ni yeye muhamzi wa yulu. Le juge qui dépasse le diable. Unya anapita shetani. Lui qui est au-dessus de tous les jugements. Ye anakuya juu ya mahukumu yote. Qui acquisera les élus de Dieu? Nani anawezi kuchongea wa chakula wa Mungu? Chapitre a commencé par. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hakuna kuhukumiwa kubale beko ndani ya Kristo. Tant que tu es en Jésus Christ. Wakati uko ndani ya Yesu Kristo. Aucun sorcier ne peut t'accuser. Muloje tamwashinde kuchongea. Tant que tu es en Jésus Christ. Wakati uko ndani ya Yesu Kristo. Aucun démon ne peut te bloquer. Hakuna démon tamwashinde kufunga. Je le déclare ce matin sur ta vie. Mina itangaza siku ya leo maisha yako. Tant que tu es en Jésus. Wakati uko ndani ya Yesu. Aucune maladie ne peut résister. Reçois la guérison. Pokea matunzo. Au nom de Jésus de Nazareth. Tant que tu es en Jésus. Wakati ndani ya Yesu. Aucun blocage. Hakuna mfungwa. Ne peut résister. Inawezi kuishi. Parce que en Jésus. Tu ndani ya Yesu. Nous avons le pouvoir. Tuko na uwezo. De marcher sur les scorpions. Ya kutembea juu ya nge. De marcher sur les serpents. Ya kutembea juu ya nyoka. Et aucune puissance. Na uwezo. De l'ennemi. Ya yule adui wetu. Ne peut pas nous nuire. Haiwezi kutuangusha. Il y a encore de l'espoir en Jésus Christ. Kuko tena tumaini ndani ya Yesu Kristo. Car Dieu est bon. Ju Mungu ni mwema. 34. Makumi tatu na ine. Que qui le condamnera? Nani anawezi kumukumu? On a commencé qui accusera. Balianza na nani anawezi kuchonga? On nous a répondu que c'est Dieu qui justifie. Bana toesha ya kwamba ni Mungu anekalaka na leta waji. Qui le condamnera? Nani anawezi kuhukumu? Christ est mort. Kristo alikufa. Et bien plus. Na mara ingine tena. Il est vivant. Eko mzima. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Anaikala kumkono ya kuume ya Baba. En train d'intercéder pour nous. Eko na tuombea shie. Même si les sorciers veulent te condamner. Ingawa baloji banawezi kukuhukumu. Christ est en train d'intercéder pour nous. Kristo eko pale eko na tuombea shie. Même si les membres de ta famille. Ingawa bandugu wako famille yako. On est en train de te condamner. Beko na kuhukumu. Christ est en train d'intercéder pour toi. Kristo eko na kuombea weye. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Et ses plans sont vraiment merveilleux. Na matayarisho yake yote iko mzuri sana.
Ces plans sont vraiment merveilleux. Matayisha ke yote ko muzuri sana. Parce que personne ne peut te condamner. Tu as kula tamutu mwana wazi kuhukumu tena. Je l'ai dit sur ta vie, personne ne peut te condamner. Ina sasa jamaa maisha yako hata mtu mwa ta kuhukumu. On ne peut pas encore te condamner. Abata kuhukumu tena. Tant que tu es en Christ Jésus. Tu es condamné à Christ Yesu. Car il n'y a pas de condamnation. Tu amura tena mahukumu. En Jésus Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Comme la femme pécheresse. Kama ule mwanamke wa dhambi. Lorsqu'elle était devant Jésus. Les gens avaient des pierres pour la lapider. Mais Jésus-Christ l'a sauvé. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour toi. Afin que tu sois sauvé. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour nous. Amen. Amina. Hosanna. Hosanna. 35. Que qui nous séparera de l'amour de Christ? Nani anawezi kutuachanisha na mapendo ya Kristo? Wow. Alléluia. Wow, Dieu est bon. Mungu ni mwema. Dieu est bon. Mungu ni mwema. Quel diable qui peut te séparer de l'amour de Christ? Shetani gani anawezi kutuachanisha na mapendo ya Kristo? Quel problème qui peut te séparer de l'amour de Christ? Mambo kani nawezi kukwachanisha na mapendo ya Kristo. Paul est en train de décider. Paul est en train de dire. Est-ce que c'est la tribulation? Inawezi kuya ma vita. Ou l'angoisse. Wala ku wala huzuni. Ou la persécution. Wala kutukombanisha. Ou la faim. Wala njala. Ou la nudité. Wala kukosea kuvaa manguo. Ou le péril. Wala kukufa. Ou l'épée. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Ce matin, qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Asubuhi leo nini inaweza kukuachanisha na mapendo ya Kristo? Pour que tu dises que Dieu ne m'aime pas. Tu as osé m'assembler chez Nipendake. Laisse-moi te dire. Acha nikoneshe. Que rien. Akura ta kitu kimoya. Ne peut dire que Dieu ne t'aime pas. Aweza sasa Mungu ashidipende. Malgré que tout cela t'arrive. Ingawa yote bila kufikia. Laisse-moi te dire que Dieu est bon. Acha nikoneshe Mungu ni mwema. Tout ce qu'il est en train de faire pour toi. Yote kwa nafanya juu yako. Sont vraiment bon. Biko bizuri sana. Il n'y a rien qui sont vraiment mal. Akura ta kitu kimoya ukibaya. Tout sont bon pour toi. Yote ni bizuri juu yako. Tout sont bon pour toi. Yote ni bizuri juu yako. La mort est bonne pour toi. La souffrance est bonne pour toi. Tout cela est bon pour toi. Malgré ce mauvais devant toi. Mais un jour tu dois glorifier l'Éternel. Tu dois dire que si ce n'était pas ce problème, je ne pouvais pas arriver ce que je suis. Tu dois dire que si ce n'était pas ce cas ici, je ne pouvais pas être ce que je suis. Tout ce que que Dieu fait pour toi sont vraiment bons. L'Éternel est bon pour toi. L'Éternel est bon pour toi. J'aime l'apôtre Paul qui conclut en disant, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes les choses qui t'arrivent là, tu es plus que vainqueur car Christ t'a aimé. Christ tant que tu n'es pas mort, il y a encore de l'espoir pour toi. Car un lion mort ne vaut pas qu'un chien vivant. Un chien vivant dépasse un lion mort. Tant que tu es vivant, tu dépasses le milliardaire qui est mort. Tant que tu es vivant, tu dépasses tous ces gens-là que tu es en train d'envier. Peut-être qu'il est en train de vouloir plaire à tout le monde. Il n'arrivait pas à plaire à tout le monde. Peut-être qu'il veut en train d'être comme tout le monde. Il ne sera pas comme tout le monde. Parce que dans toutes les choses qui t'arrivent, Dieu est en train de te donner la victoire. Paul est en train de dire que nous sommes plus ya kusema tuna kwa bashindaji que vainqueurs. Bashindaji tant que tu n'es pas mort.
Tant que tu n'es pas mort, wakati au yakufa, tu es plus que vainqueur. Mushindaji wa nguvu. Dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Uko mushindaji wangu maisha yako. Il dit car j'ai l'assurance. Anasema kwamba niko na hakikisho. Que ni la mort. Haina kifo. Ni la vie. Haina uzima. Ni les anges. Haina malaika. Ni les dominations. Haina utawala. Ni les choses présentes. Haina vitu vya sasa tunaona. Ni les choses à venir. Haina vitu vya mbele. Ni les puissances. Haina mauwezo. Ni la hauteur. Ni kupanda juu. Ni la profondeur. Wala chini ya mlongo. Ni aucune chose. Hakuna kitu kimoja. Aucune créature. Hakuna hata kiumbe kimoja. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Inaweza kuniachanisha na mapendo ya Mungu. Ata unalala na njala. Même si tu dors affamé. Jua que Mungu anakupenda. Sache que Dieu t'aime. Ata kama unashindwa byote. Même si tu manques tout. Jua que Mungu anakupenda. Sache que Dieu t'aime. Ata que uko mugonjwa. Ata même si tu es malade. Jua que Mungu anakupenda. Sache que Dieu t'aime. Ata unaisha maisha ya haya. Même si tu viens dans une pauvre. Jua que Mungu anakupenda. Sache que Dieu t'aime. On n'avait pas eu la grâce de naître dans la famille si c'est d'un président. On n'avait pas eu la grâce de naître si c'est dans la famille de quelqu'un avec beaucoup d'argent. On n'avait pas eu la grâce d'être si c'est qui. Mais on avait eu la grâce d'être adopté. Dans le roi des rois, le seigneur des seigneurs, buana ya mabuana, le patron des patrons, tajiri wa tajiri, celui que l'or et l'argent lui appartient, celui qui peut toutes choses, celui qui n'est pas limité, celui qui ne meurt jamais, celui qui est l'éternel, celui qui est l'alpha et l'oméga, devant toutes choses, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, na chini ya dunia et que devant lui, na mbele yake, toute langue confesse que Dieu est bon, ya kwamba Mungu ni mwema, au-dessus de toutes choses. Peut-être si tu étais l'enfant d'un président, un président peut mourir. Mais lorsque tu es l'enfant de président de président, lui ne meurt jamais. Si tu pouvais être l'enfant d'un ministre, on peut lui destituer. Mais ton ministre à toi n'a jamais été destitué. Sur son trône, il est toujours à lui. Il n'a pas de fin mandat. Il est toujours à lui. Son trône, on ne peut jamais lui faire un coup d'état. Il est toujours à Dieu. Il est toujours à lui. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il est Dieu. Ton créateur à toi. Il peut toutes choses. Ce matin, ne te décourage pas. Dieu peut faire encore quelque chose dans ta vie. Il est bon pour toi. Et il paie toutes choses en toi. Dans ta vie. Parce que ses plans sont merveilleux pour toi. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier. Est-ce que la chorale peut nous en donner un moment? Kwaya inawezi kutuimbia mwimbo inasema nafsi yangu ikusifu. L'Éternel est bon. Mungu ni mwema. Alléluia. Amen. Là où tu es, sois concentré. Uiko kuya concentré. Tu es en train juste de voir la bonté de l'Éternel dans ta vie. Wewe anze kwa Maria tu mpaka wema wa milele maisha yako. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Elle n'a pas de fin. Tu es en train de louer l'Éternel. Malgré ça ne va pas dans ta vie. Loue-le.
Loue-le. Dis-lui que tu es bon. Dis-lui que tu es bon. Malgré ce que ça ne va pas. Tu es bon. Mon âme est en train de te louer. Ensemble avec la chorale. Disons merci à l'Éternel. Car il est bon pour nous. Alléluia. Et S'il vous plaît, on peut se tenir debout. Kamena e pende de chama kosi pote yulo. Nous allons prier ensemble. Tout aomba chebote. Parce que Dieu me montre quelqu'un qui est en train d'être délivré ce matin. Amen. Mungu kona nyonesha mtu mwe kona funguliwa asubuhi ya leo. Sois concentré. Tu seras délivré ce matin. Je le répète, sois concentré. Nous implorons la bonté de l'Éternel sur notre vie. Mon échec que Baba a soubé à l'Éternel, j'aimerais voir ton amour sur ma vie. Père, montre-moi ton amour. Baba, Saint-Esprit est là. Pour délivrer quelqu'un. Tu as confondu la mort au monde. Prions ensemble. Désirons l'amour de Dieu sur notre vie. Désirons la bonté de l'Éternel sur notre vie. Désire-le là où tu es. Rabashane. Alléluia. La riba ikeria. Alléluia. L'ore passo keria. Alléluia. Oui, il est là. Alléluia. Oui, il est là. Alléluia. Oui, il est là. Oh, Sana. Oui, il est là. Oui, il est là. Sanderebola. Oui, il est là. Ikeleba to the prayer. Ikeleboros. Il est là.
Jésus de Nazareth.